Hello, bonjour, toujours Cathy, ici sur ma boîte Gmail. Je vais vous montrer aujourd'hui comment envoyer un message. Donc, je vais écrire un nouveau message avec des pièces jointes jointes à ce message. Donc, je vais écrire à bibi-tricotin50@yahoo.fr, mais aussi à peterpan@gmail.com. Et Robin des Bois, je voudrais envoyer à ces trois personnes-là des pièces jointes. Je vais indiquer dans objet pièces jointes. Comme ça, je sais que c'est ça. Et ici, j'écris un petit message. Bonjour, je vous envoie des pièces jointes. Voilà, je précise que j'envoie des pièces jointes, mais ça se voit automatiquement. Donc, avant d'envoyer le message, je vais aller chercher les pièces jointes ici. Comme vous pouvez le voir, le petit trombone, il y a écrit joindre des fichiers. Je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris et je tombe donc sur mes documents qui sont sur mon ordinateur et je vais aller chercher donc les documents que je veux envoyer à mes destinataires. Je peux envoyer un document d'Excel, je clique dessus, je dis ouvrir, et vous voyez qu'il arrive ici, mais je peux envoyer d'autres pièces jointes, je continue, joindre des fichiers. Invitation, excusez-moi, je ferme ici. Je continue, joindre des fichiers. Ici, je tombe sur mon ordinateur et mes documents. Je pourrais envoyer donc un document de Word, peut-être ici par exemple, ouvrir. Vous voyez que le document de doc ici, donc ça c'est Excel et un document de Word. Et je continue, joindre des fichiers. Je vais aller chercher une image, celle-ci par exemple, ouvrir. Etc. On peut envoyer n'importe quel document à un message, joint à un message. Donc, à mon message est joint un fichier d'Excel, un fichier de Word et une image. Et il me suffit alors d'envoyer à mes destinataires ces trois pièces jointes. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur Outlook ici, je viens de recevoir un message, boîte de réception. Je viens de recevoir de Peter Pan des pièces jointes et je le vois grâce à ce trombone, ce qui me permet de savoir que j'ai des pièces jointes. Il me suffit de cliquer dessus. Et vous voyez ici un fichier d'Excel, un fichier de Word et une image. Pour voir le fichier de Word, par exemple, je clique sur le fichier lui-même et je dis ouvrir en bas, ce qui me permettra de voir le fichier qui a été joint. Le voilà. Je quitte. Même principe, normalement, sur Bibi Fricotin, boîte de réception. On peut voir ici sur Yahoo que je viens de recevoir de Peter Pan des pièces jointes. Ça se voit avec le trombone qui est ici. Je clique dessus. Et je vois ici trois pièces jointes, un fichier d'Excel, un fichier de Word et une image. Si je veux voir l'image, je clique sur télécharger et je dis ouvrir en bas afin de voir mon image. L'image que l'on m'a envoyée en pièce jointe. La voilà. Voilà donc sur Gmail comment envoyer une pièce jointe avec un message. À bientôt pour un prochain tutoriel.